Bonsoir à tous, c'est Fenrix pour un numéro de Made in Pixels avec un exercice un peu différent de ce que je fais d'habitude, puisqu'on va parler jeux vidéo, mais à travers un livre, le livre Virtual Cities, donc, que j'ai ici. Alors là, c'est l'édition américaine, mais voilà, il y a deux versions. Il y a l'édition européenne, donc c'est l'édition de droite, et l'édition américaine qui est l'édition de gauche. Il se trouve que j'ai trouvé et acheté en magasin l'édition américaine, donc voilà, mais a priori le contenu est le même. Donc, à part la couverture, on va parler vraiment du même ouvrage. J'ai déjà parlé de magazine, on avait parlé notamment de Retro Gamer, mais c'est la première fois que je vais véritablement essayer de faire une présentation d'un livre. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et à liker si vous aimez. Et j'ai prévu peut-être d'en faire d'autres. Il y a pas mal de... Pas mal de livres dans ma bibliothèque qui parlent de jeux vidéo, donc ça serait l'occasion de vous faire découvrir peut-être quelques livres plutôt sympathiques. Alors, si j'ai choisi Virtual Cities, d'abord c'est parce que il est relativement récent, je suis tombé dessus en plus là cet été, et puis deuxième avantage c'est que je l'ai lu, j'ai pris le temps de le lire, ce qui n'est pas toujours le cas avec les livres que j'achète, donc je vais pouvoir essayer de vous. Rendre compte un petit peu du contenu, de l'intérêt et de ce que j'en pense par rapport à ma lecture. Première chose quand même avant de commencer, c'est que malheureusement le livre n'existe qu'en anglais. Alors je vous rassure tout de suite, c'est un anglais relativement accessible. Il n'y a pas trop de difficultés dans la lecture, mais évidemment pour les anglophobes, eh bien, je sais que ça pourra rebuter un petit peu. J'espère peut-être qu'un jour une version française, une traduction française sera proposée, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Voilà. Le livre va évidemment parler de villes virtuelles, c'est-à-dire des villes que l'on trouve dans les jeux vidéo. Et pour se mettre dans l'ambiance et commencer un petit peu la présentation de cet ouvrage, je vous propose de se mettre dans l'ambiance avec, eh bien, vous allez voir, le petite bande-annonce, ou plutôt un. Le début d'un jeu qui va donner un petit peu le ton. Voilà, on se retrouve tout de suite après.
Voilà, donc vous aurez sûrement reconnu évidemment le début, en fait, le générique d'intro de Final Fantasy VII dans sa version d'origine en 1997. Et eh bien, on voit effectivement dans l'introduction l'importance que prend la ville, qui apparaît comme presque un personnage à part entière, puisque, à part Aerys qu'on rencontrera plus tard, eh bien, c'est la ville qui prend tout l'espace. La ville, évidemment, citée dans le livre, enfin, si j'ai choisi cet exemple-ci, c'est parce que eh bien, le livre présente Midgar, donc la ville de départ de Final Fantasy VII, dans sa sélection. Alors, présentons un petit peu donc, le livre. Allons-y, hop, voilà. Donc, Virtua City, un livre, donc je l'ai dit, relativement imposant. Le livre fait à peu près 250 pages, dont 214 à peu près, enfin 214 par à peu près, qui sont consacrés uniquement à la description des différentes villes. Le livre a été écrit par, comme vous voyez sur la couverture, Konstantinos Dimopoulos, c'est un Grec, qui vit à Athènes et qui est étudiant et docteur en planification urbaine et en géographie urbaine. Donc c'est quelqu'un qui vient du monde justement de la géographie et de l'urbanisme et qui a appliqué en fait ses connaissances sur les villes de jeux vidéo pour essayer d'analyser d'une certaine manière les jeux vidéo. Le livre est également illustré. Alors pareil, hein, même si les couleurs sont différentes, vous voyez qu'il y a des illustrations et une grosse partie de ces illustrations sont faites à la main et sont réalisées par Maria Kalikaki, grec également, et ça donne un certain cachet au livre. Bon, je reviendrai dessus plus en détail. Voilà. Donc, texte et images se complètent, et pour un volume qui, je le disais, est assez récent, puisqu'il est sorti en 2020, et la version américaine, donc, c'est chez Countryman Press, alors que la version européenne, c'est chez Unbound. Le livre, maintenant, dans son contenu, présente 45 jeux. Vous voyez ici la table des matières. Et on va parler un petit peu, hop, pardon, voilà, deuxième partie de la table de matière, donc jusqu'au 45. Donc le premier jeu, c'est Antaisher, la ville de Ant Attack. Et ça se termine avec Hong Kong, ville de Shadowrun Hong Kong. On va commencer par analyser un petit peu cette liste, que j'ai trouvée assez intéressante, et ce qui est la raison principale pour laquelle j'ai acheté le livre, et que déjà ça m'avait un petit peu interloqué, parce que je la trouvais assez originale. Bon, déjà, il y avait Monkey Island 2 en 3, hein, Woodtick, donc c'était déjà pas banal, mais il y a pas mal de points forts, on va dire, sur cette liste. Bon, déjà, 45 jeux, c'est beaucoup. Évidemment, il y a tellement de jeux vidéo qu'on pourrait toujours en rajouter, mais 45 jeux, c'est déjà un large panel. Ça permet d'avoir déjà de balayer pas mal d'univers. Les jeux sont répartis des années 80 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2018, je crois, le plus récent. Donc de 1983, c'est le fameux Ant Attack qui inaugure un petit peu le livre, et jusqu'à plusieurs jeux qui datent de 2018, dont Pillars of Eternity 2, par exemple, Deadfire, qui date de 2018. Le livre étant sorti en 2020, évidemment, ça explique qu'il n'y ait pas peut-être quelques jeux très 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 récents. On a une répartition également relativement homogène. Même si la période 2000-2020 est un petit peu plus représentée que les périodes des années 80 et 90. Mais malgré tout, on a une répartition assez intéressante avec à chaque fois une dizaine de jeux sur les années 80-90 et une quinzaine de jeux sur les années 2000 et 2010. Donc ça, c'est vraiment un premier bon point parce que c'est pas uniquement un livre sur les 10 dernières années. Comme si le jeu vidéo n'avait pas existé, n'existait pas avant, n'avait pas produit de villes intéressantes précédemment. Je viens de le montrer avec Midgar, hein, avec Final Fantasy VII, il est évident que c'est un jeu phare et qu'il a toute sa place dans le livre, malgré son âge. Deuxième chose qui m'avait intéressé, c'est que la liste des jeux était assez surprenante aussi, parce qu'elle présente des genres variés, avec, sans trop de surprises, une dominante quand même RPG et jeux d'aventure,
On a à peu près 14 titres. Alors, je vais vous montrer comment ça se présente. Vous voyez, par exemple ici, l'auteur présente donc le nom de la ville, Dundarak, ici, le jeu, qui s'appelle aussi Dundarak, le développeur, l'éditeur, la date de sortie, le genre. Et donc, il y a une classification qui est proposée par l'auteur, et puis les plateformes de sortie. Donc ici, genre aventure et les plateformes sur Amstrad CPC, ZX Spectrum. Alors, j'avoue que je ne suis pas toujours convaincu par la classification qu'il a fait, mais globalement, on a une quinzaine de jeux qui sont des RPG et une petite dizaine qui sont des jeux d'aventure. Des jeux d'aventure texte, des jeux d'aventure graphique, point and click, comme Grim Fandango par exemple. Et donc, voilà, 25 sur 45, on va dire, qui sont relèvent du jeu RPG, jeu d'aventure. C'est beaucoup. Plus de la moitié, mais en même temps, ça aurait pu être beaucoup plus, parce qu'évidemment, ce sont souvent dans ces jeux-là que on va avoir des univers plus complexes, plus détaillés, etc. Et c'est là que je trouve intéressant la décision de l'auteur de vraiment chercher à varier les styles. Alors, on a, je vais vous donner quelques exemples, on a des jeux d'action avec Final Fight, par exemple, et la ville de Metro City. On a Arkham City aussi, de Batman Arkham City. On a des jeux de stratégie. Un des jeux de la série XCOM, alors que je ne connaissais pas, j'ai découvert, enfin, je ne connaissais pas en tout cas, j'y avais jamais joué. C'est, je crois, le Aftermath, qui est le troisième de la série, puisque dans celui-là, vous avez une ville que vous allez essayer de défendre. Alors, je vais vous regarder, je vais vérifier ce que je viens de vous dire. XCOM, c'est non, Mega Primus, pardon. Des jeux de stratégie, on a également StarCraft qui est mentionné. C'est un chapitre peut-être un peu faible, mais en tout cas, ça mérite d'être intégré. Des jeux de plateforme, puisqu'on a Super Mario Odyssey avec Donk City, New Donk City. Du Survival Horror avec bon, deux jeux qui semblent un peu incontournables, Resident Evil, alors, notamment Resident Evil 2, puisque dans le premier, on est excentré, on est dans le manoir, mais Resident Evil 2 et Silent Hill, bien sûr. Et également un jeu de course, Need for Speed Underground, et un jeu de simulation de conduite automobile, Bus Simulator 18. Donc vous voyez, c'est assez large. Donc 25 titres, on va dire, un peu classiques sur des jeux d'aventure, des jeux de rôle, et puis une vingtaine de titres vraiment très éclectiques qui permettent de toucher un peu à tous les genres. Donc ça, j'ai trouvé vraiment ça intéressant, parce que l'auteur ne s'enferme pas dans un genre de jeu, dans un style de jeu, mais va essayer de voir la représentation de la ville dans l'ensemble de productions vidéoludiques, quel que soit le style, le genre de jeu. Voilà. Dernière chose aussi que j'ai trouvée intéressante, c'est la volonté d'éclectisme qu'on retrouve aussi entre, d'un côté, bah, évidemment, des triple A, hein, des gros blockbusters du jeu vidéo. J'ai cité les Resident Evil, j'ai cité les Silent Hill, le Final Fantasy VII, etc. Mais également la présence de jeux indépendants et pas juste un ou deux pour faire genre. On a une liste assez intéressante. Donc, par exemple, Fallen London, qui est un jeu d'aventure en ligne, en navigateur. Et puis l'Empire City, par exemple, qui est un point and click tout à fait classique, qui fait partie de la vague revival un peu du point and click des années 2000-2010. Et puis dans la liste, vous avez même un jeu carrément expérimental qui s'appelle 0 degré nord, 0 degré ouest, ressemble assez à un trip sous acide. Mais voilà, il est dans la liste. Et voilà, il y a une prise de risque de ne pas mettre en avant que des jeux ultra connus, mais d'avoir des jeux aussi. Qui sortent un peu des sentiers battus, qui vont avoir une représentation peut-être plus originale, plus personnelle de la ville, et qui, du coup, donnent un peu de fraîcheur au contenu du livre. Vraiment, si on veut déjà faire un point ici, ce qui a motivé l'achat avant la lecture, c'est vraiment cette liste de me dire, ah mais quand même, l'auteur bel et large, il s'arrête pas à juste des jeux console ou quoi que ce soit, hein. On a véritablement des jeux ordinateur et console, on a des jeux anciens et récents, on a des jeux indé et triple A, on a des jeux d'aventure au sens très très large et des jeux de style vraiment un peu surprenant. Bah, bon, Need for Speed par exemple, je trouve un très très bon choix
Mais c'est pas forcément le premier jeu auquel on s'attendrait hein, quand on pense à des villes de jeux vidéo. Donc, vraiment, presque à sans faute, on va dire, sur cette sélection. Une réelle diversité, bien sûr, qui peut pas être exhaustive, mais qui présente un panel de jeux large, varié dans le temps, les supports et les styles de jeu. Alors, malgré tout, j'ai quelques remarques à faire, un peu pas négative, mais quelques regrets, on va dire, sur cette liste. La première partie, c'est une remarque, plus qu'un regret, là, c'est clairement une remarque, c'est que il y a finalement une faible représentation relative des jeux japonais. Alors, je vous fais la liste, sur les 45, il y a Zelda Majora's Mask, Dark Souls, Bloodborne, Final Fight, dont j'ai parlé, hein, de Capcom, Earthbound. Resident Evil 2 et Silent Hill, dont que j'ai mentionné aussi, Shenmue 2 en particulier, Yakuza 0, le Super Mario Odyssey et Final Fantasy 7. Donc vous voyez, on est à 11 jeux sur les 45. Alors c'est intéressant parce que ça rappelle peut-être à nous, public européen et surtout français, que le jeu vidéo c'est pas que japonais. Et que vu de l'extérieur, la culture qu'on nous on a pu avoir de cette acculturation justement des jeux japonais par acculturation plus globale de la culture japonaise, elle n'est pas universelle et que ça vient un petit peu à l'encontre de quelques idées reçues contre lesquelles je me bats ici en France, qui serait de croire que tout le jeu vidéo est japonais et que sorti du jeu vidéo japonais, il n'y a pas grand-chose. C'est évidemment faux, sans remettre en cause la qualité du jeu vidéo japonais, hein, des productions japonaises. Enfin, tous les sites là, tous les jeux qui sont cités sont juste des jeux excellents, donc il n'y a vraiment pas de problème avec ces jeux-là. Mais ça permet de replacer là aussi dans le contexte. Alors, quand je dis sous-représentation relative, par comparaison, il y a une surreprésentation, par exemple, des jeux français, puisque sur les 45, vous avez trois jeux français. Vous avez, dans un premier temps, Assassin's Creed Syndicate. Alors, bon, jeux français, évidemment, Assassin's Creed, c'est toujours très compliqué, c'est des jeux internationaux, hein, des équipes internationales. Enfin, c'est quand même Ubisoft. Vous avez Dishonored. Alors là aussi, jeux français et américains, hein, puisque c'est en collaboration avec Bethesda. Et puis vous avez, alors là, très surprenant, mais c'est pareil, ça a été, quand je l'ai vu dans la liste, je me suis dit, oh, je vais quand même prendre le livre, j'ai envie de lire ce qu'il y a dedans. BAT, le Bureau des Affaires Temporelles, un jeu publié par Ubisoft à la fin des années 80. Je vais essayer de vous montrer la page, parce que ça, c'est vraiment un jeu où je me suis dit, bah tiens, c'est original. Donc 163, hop, on y va. Alors, là, on est sur Shenmue, par exemple, et le quartier de Wanchai à Hong Kong. Mais voilà, je vous parlais donc de. Hop, comme ça, on parcourt. Alors, ça, c'est le fameux 0 degré nord, 0 degré ouest, hein, avec visiblement, du coup, moi, je vais regarder un petit peu des vidéos. Ça a l'air assez barré. Et donc, j'ai dit 163, c'est juste après. Bureau des affaires temporelles. Voilà. BAT. OK. Bureau of Astral Trouble Shooters en anglais. Mais en français, Bureau des affaires temporelles, qui était un jeu donc sorti en 89, si je ne dis pas de bêtises, tout à fait, sur Atari ST à l'origine. Mais également avec des déclinaisons sur Amiga, sur PC, Commodore 64. J'ai oublié la version Commodore 64 et MS-DOS. C'est un très très bon jeu que j'ai parcouru un peu dans tous les sens, même si j'ai jamais réussi à le finir. Qui était très original à la fois dans son système de jeu, dans son univers, dans sa représentation graphique, puisqu'il emprunte beaucoup au code de la bande dessinée. Et donc voilà, j'étais très surpris de trouver ça, et je vous dis, trois jeux français, du coup, sur 45, ça fait beaucoup. Même si, évidemment, sur les trois, il y en a deux qui sont en fait des blockbusters internationaux. De trouver cette petite perle dedans, c'était une très bonne surprise. Donc, ça montre aussi des biais. Évidemment, qui sont probablement liés à l'expérience personnelle de l'auteur, à des jeux qui l'ont marqué, peut-être à des découvertes aussi qu'il avait envie de partager, mais qui permettent vraiment de tomber sur des pépites ou de redécouvrir des pépites.
Deuxième remarque, mais ça, je trouve ça logique d'une certaine manière, c'est l'absence de city builder. En fait, tous les jeux qu'il mentionne proposent des villes constituées, non pas des villes à construire. Même si certains city builders proposent en fait des villes déjà préétablies, que ce soit SimCity, que ce soit des jeux plus récents, dans lesquels en plus on peut se balader, que ce soit justement les SimCity ou les Sims, hein, pour prendre aussi un autre jeu de Maxis et d'Electronic Arts, vous avez une sorte de mode piéton dans lequel on va pouvoir être au niveau des habitants et explorer la ville. Comme si on était justement non plus en God Mode, mais comme si on était un personnage. Donc ça c'est écarté. Je trouve ça logique, je répète, parce que c'est une façon de dire, ok, je ne regarde que des jeux qui ont construit des villes de A à Z et pas des bacs à sable. Malgré tout, c'est un peu dommage, parce que ça permettrait aussi, à travers un ou deux exemples, alors, il ne faudrait pas forcément des tonnes, mais un ou deux exemples, de montrer d'autres façons de. Enfin, là aussi, des contrastes dans la façon de représenter la ville et dans la façon d'organiser la ville. Parce qu'évidemment, dans ces jeux dans lesquels on construit des villes, il y a aussi des règles d'urbanisme, il y a aussi des règles de géographie urbaine qui sont implicites et qui vont donner des villes différentes. Alors, je prends toujours le même exemple parce que c'est vraiment très très frappant, c'est la différence entre SimCity et A Train. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette série japonaise. Eh bien, dans SimCity, vous construisez des villes américaines et dans A Train, vous construisez des villes japonaises. Très bête, hein. SimCity sont des villes qui sont construites sur la voiture, qui sont construites sur les routes, même si au fur et à mesure les routes vont pouvoir évoluer, les tracés vont pouvoir être plus subtils que juste le plan à damier, mais c'est quand même des jeux qui sont construits autour du transport individuel. A Train, comme le nom l'indique, va vous mettre en fait à la tête d'une compagnie ferroviaire et c'est autour du train et des gares que vont se développer les villes, que va se développer votre ville. Et donc, ça correspond effectivement à ce qu'on voit au Japon. C'est-à-dire qu'au Japon, le train organise l'espace beaucoup plus qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, le train, c'est essentiellement le transport de marchandises. Et donc, le visage de la ville, l'organisation spatiale, etc., est différent. Donc, ça aurait été intéressant de voir quels sont les outils urbanistiques finalement proposés par ces jeux. Et je répète, pas forcément d'avoir un chapitre complet, pas un tiers du livre, hein, c'est pas ça l'idée, mais d'avoir un ou deux exemples qui permettent de dire, ben voilà, dans ces villes, dans ces jeux, pardon, il y a aussi des choses à regarder et il y a peut-être aussi des choses à analyser. Alors, dernier point que je vais souligner, et là c'est plutôt un regret, comme je l'ai dit en début. C'est quand même l'absence de certains jeux que je trouve dommage. Alors, je vais commencer, je répète, 45 jeux, c'est déjà beaucoup, et c'est compliqué de faire un choix parmi tous les jeux vidéo qui existent. Mais je trouve quand même dommage qu'il n'y ait pas le jeu Mercenary. Mercenary, c'est un jeu qui est sorti en 1985 de Novagen. Qui est sans doute l'un des premiers jeux à proposer une ville dans laquelle on peut se balader en monde ouvert, si vous voulez, avec un fonctionnement autonome, avec des personnages, avec des transports en commun, etc. Je crois qu'il y a même un métro. Alors certes, le jeu est daté, la ville est en représentation 3D fil de fer, etc. Mais ça a été quand même une étape dans la représentation de la ville dans le jeu vidéo. Et en fait, d'une manière plus générale, c'est là que je trouve quand même qu'il y a quelque chose qui manque, il n'y a aucun jeu justement GTA-like en monde ouvert. Il n'y a pas de GTA. Aucun. Et il n'y a pas de GTA-like. J'ai parlé par exemple de Hong Kong. Il y a un jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle Sleeping Dogs qui se passe à Hong Kong. C'est dommage, il n'est pas dedans. Je répète, il n'y a même pas non plus aucun GTA. Et ça, je trouve ça surprenant, parce que ce sont quand même des villes qui ont marqué les joueurs, des villes qui sont riches, complexes. Pourtant, ce n'est pas vraiment mon genre de jeu, hein. Les GTA, je suis très loin de passer
des heures et des heures ou des centaines d'heures sur GTA, mais ça a été là aussi des étapes, je pense, dans l'appropriation des villes virtuelles par les joueurs. C'est par exemple dans ces villes-là que j'ai vu pour la première fois des joueurs tourner en rond juste pour le plaisir. Je voyais hein, des amis, de la famille qui jouaient à GTA, non pas pour faire les missions, pour faire l'histoire, etc., mais uniquement pour se balader, pour faire des sauts, pour faire des cascades, etc. Donc, il y a un rapport à la ville qui a changé avec les GTA auprès du grand public. On pouvait peut-être déjà faire ça dans d'autres jeux. Moi, par exemple, je me souviens d'un RPG qui s'appelait Libération, plus exactement, si c'était Libération Captive 2, où vous aviez des villes comme ça reconstituées ensemble et vous perdiez très facilement, vous pouviez passer des heures juste à vous balader. Mais c'était des jeux un peu de niche, c'était des jeux qui n'étaient pas très connus. Bon, je jouais sur Amiga CD32, donc vous voyez un petit peu. Et donc, GTA, ça a été un peu la démocratisation d'une forme de promenade urbaine virtuelle. Et voilà, là je trouve un petit peu dommage qu'il n'y ait pas ça, que ça n'ait pas été intégré. Bien. Ayant fait un petit peu le tour comment ça s'appelle, du contenu des villes, je propose de faire une nouvelle pause et de voir à nouveau comment ça s'appelle, une petite vidéo pour se remettre un petit peu dans l'ambiance et avancer un petit peu la présentation du livre. On se retrouve donc après la bande-annonce qui arrive juste là. Qu'il a compris le message. Chef! Chef! On a besoin de nous! Venez, dépêchez-vous! On n'a jamais fini de s'amuser. Allez, les Rooks, on y va! Ouais, allez, allez, on y va! Ouais. Je vous laisse vous en occuper, les gars.
essayer leur bière. Elle est plutôt pas mal. Allez, trinquez à la santé de votre patron. Ce voleur d'enfants. Ou faites mieux. Rejoignez-moi. Rejoignez les Rooks. Jacob, Monsieur Fry. Écoutez, on peut se partager l'argent. Je veux dire, vous pouvez tout prendre. Les Rooks, avec moi. Je vais rejoindre les Rooks. Venez. Lâchez-le, je vais rejoindre Jacob. J'en ai vu assez. Je suis avec Jacob. Ça, on fait comme ça. Pour les joueurs. Voilà, donc vous aurez reconnu sans peine, évidemment, il y a le titre à la fin, Assassin's Creed Syndicate, sur lequel je reviendrai un petit peu. Évidemment, c'est un jeu qui est vraiment excellent pour la représentation de la ville, à la fois par rapport à la ville réelle, évidemment Londres, la question de comment on modélise une ville réelle et qu'on la transforme en terrain de jeu pour des joueurs, et en même temps pour tout ce qu'elle véhicule de représentation, de clichés même, à la fois sur la ville en elle-même, mais aussi des clichés qui vont bien plus loin. Je ne sais pas si vous y avez été sensible, mais à chaque fois que je revois cette bande-annonce, je ne peux pas m'empêcher de penser aussi à Stanley Kubrick, hein, à Orange Mécanique, autre film qui nous parle de la ville et du monde moderne, hein, justement, qui est un monde urbain. Et donc, avec cette bande un peu là de voyous, chapeau melon, etc., on a, ça véhicule, hein, si vous voulez, d'autres références qui, évidemment, sont aussi très intéressantes. Donc, je reviendrai un petit peu plus en détail sur la vidéo d'Assassin's Creed, mais on va présenter, du coup, dans une deuxième partie, la façon dont les chapitres sont construits. Hop, on y va. Voilà. Donc, il y a une petite introduction dans laquelle il explique un peu son propos. Et le propos qu'il choisit d'adopter, c'est de diviser chaque chapitre en deux. Voilà. Plus exactement en trois, puisque vous avez, je l'ai dit tout à l'heure, une petite présentation technique, je dirais, une petite fiche technique du jeu qu'il va et de la ville qu'il va présenter. Et ensuite, deux parties principales. Une partie, vous voyez ici, sur fond blanc, et ensuite une partie sur fond rouge, qui l'intitule Design Insights. La partie sur fond blanc est censée représenter une sorte de point de vue interne au jeu, comme si on découvrait la ville in-game, en jouant, en étant un personnage joueur ou un personnage non-joueur, et c'est essentiellement une description de la vie. La partie Design Insights, comme son nom l'indique, adopte plutôt un point de vue externe et notamment le point de vue du développeur, le point de vue des mécanismes de jeu, du game design cette fois-ci, appliqué à l'urban design, hein, à la planification urbaine. C'est dans cette partie que parfois, par exemple, il laisse la parole directement au... Donc soit il va s'exprimer en faisant des analyses personnelles, soit il laisse la parole en reprenant des extraits d'interviews de différents développeurs. C'est le cas, par exemple, de Bat, dont j'ai parlé tout à l'heure, dans lequel cette partie est, représente en fait la traduction d'une interview de... Alors, je sais plus, je crois qu'il s'appelle Lange. L'un des développeurs de Bat. Donc là, vous voyez la page pour le chapitre pour Assassin's Creed Syndicate, donc Londres. Vous voyez que c'est pas très long, hein, tenant compte des illustrations, et ça permet d'avoir quelque chose sur des petits chapitres qui se lisent très très bien, ce que je disais tout à l'heure, sans difficulté aucune, malgré le fait que ce soit en anglais.
Malgré tout, je suis un peu mitigé sur le résultat. La note d'intention est excellente, cette partition entre point de vue interne et point de vue externe, mais je suis un petit peu plus mitigé sur le résultat une fois la lecture terminée. Pourquoi? Parce que dans les faits, en fait, la partie description, elles se suivent toutes un peu et se ressemblent, avec à chaque fois quand c'est possible une description de la ville par quartier, donc quand le jeu évidemment s'y prête. Oui, parce que je ne l'ai pas dit, mais parfois il y a des villes qui sont des petites villes. Hein. Alors je crois que je l'ai vu passer par exemple, il y a Milton du jeu The Long Dark, qui est une toute petite ville en fait, un village. Alors, je ne sais plus si je l'ai là. Voilà, Milton, The Long Dark. Donc là, par exemple, vous voyez, hein, le plan est parlant, on a une toute petite ville. Donc évidemment, là, la description par quartier n'est pas possible, mais la plupart des villes sont quand même des métropoles de taille importante, des mégapoles. Et donc, on va avoir une description un petit peu stéréotypée de dire, ah ben voilà, il y a tel quartier, c'est plutôt un quartier riche, il y a tel quartier, c'est plutôt un quartier industriel, etc. C'est pas inintéressant, bien sûr, mais d'abord, je répète, c'est un peu répétitif, et deuxièmement, c'est un peu sec. Ça manque véritablement, justement, de ce point de vue interne qui aurait pu donner du relief. C'est un peu plat, oui, effectivement, du relief à la narration. J'aurais clairement préféré, moi, c'est ce que j'avais imaginé au départ, qu'il adopte un point de vue. Par exemple, d'un personnage ou d'un PNJ, par exemple, pour décrire la ville. Si je reprends Londres, Assassin's Creed Syndicate, ça peut être le point de vue d'un ouvrier, par exemple, qui va le matin au travail, qui est obligé de traverser un certain nombre de quartiers, qui est obligé d'emprunter un certain nombre de transports, ou qui peut-être va manquer de se faire renverser par le fiacre d'un bourgeois. Donc, on va avoir la question des conflits sociaux qui va apparaître. Donc, il y avait du potentiel pour véritablement incarner, en fait, la ville à travers un point de vue. Là, pour le coup, c'est quasiment à chaque fois raté. C'est une description plutôt mécanique de guide, mais de guide pas très inspiré, qui dit, ben voilà. Au nord, vous avez tel quartier, au sud, vous avez tel quartier, dans tel quartier, vous avez tel monument. Bon. De temps en temps, on cite des personnages, mais là aussi, ou des lieux particuliers, des magasins, des restaurants, comme si c'était des bonnes adresses, par exemple. Mais là aussi, c'est assez peu souvent, assez peu fréquent, et souvent, ça arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Alors, pourquoi justement j'ai choisi Assassin's Creed? Bah, parce que, clairement, les Assassin's Creed, enfin, moi, c'est toujours ce qui m'a bluffé. Pardon, excusez-moi. Ce qui m'a bluffé dans la série Assassin's Creed, c'est que ce sont des jeux qui fourmillent de vie. Dès le premier Assassin's Creed, même si évidemment les PNJ sont tous un peu génériques, donc les personnages non joueurs sont tous un peu génériques, ils se ressemblent tous et n'ont pas véritablement de vie individuelle sortie du champ de vision du joueur, ils donnent corps à la ville. D'une certaine manière, je trouve qu'il y a un certain nombre de jeux aujourd'hui qui arrivent à incarner la ville par la population qui déambule dans les rues. Je parlais donc de la série Assassin's Creed, mais c'est valable des GTA justement. On va pas avoir les mêmes personnes suivant les quartiers. Et donc, ça c'est quelque chose que globalement, je trouvais assez raté dans le livre parce que la description est très justement géographique, avec les monuments, les rues, les quartiers, mais manque finalement là aussi de prendre en compte les populations. Alors, il en parle. Il y a des fois, et notamment en disant, ben voilà, là, il y a quartier riche, quartier pauvre, etc., un quartier ouvrier, bon, mais les quartiers des usines. Mais je trouve que la ville arrive jamais vraiment à s'incarner dans le récit, et ça, c'est dommage. Hein. L'attention est vraiment sur l'architecture, les bâtiments, l'organisation spatiale, que sur les habitants.
Donc là, on a bien sûr le point de vue de l'universitaire, hein. C'est un universitaire qui écrit, qui surplombe la ville, qui a un petit peu ce regard au-dessus, mais qui a du mal à faire sentir l'atmosphère, l'activité, l'ambiance, les odeurs, les goûts, enfin, tout ce qui peut donner un petit peu envie de voyager aussi. Parce que clairement, quand on voyage, c'est quand même ça l'intérêt de l'exotisme. C'est peut-être ça le mot qui manque, enfin le mot-clé, c'est que ça manque souvent d'exotisme. On a un côté un peu froid, je le disais, un peu plat de la narration. Alors, la deuxième partie, la partie. Alors, non, je vais, avant de partir, de passer sur la point de vue game designer, un petit mot sur les illustrations qui accompagnent le texte. Là aussi, dans l'idée, je trouvais ça plutôt sympa. En plus, le style est assez original, hein, vous le voyez, ce sont des illustrations faites à la main, ça ressemble un peu à de la peinture, un peu à de l'aquarelle. Alors, c'est quand même le choix des teintes assez désaturées, hein, qui est assez un peu surprenant. Et même ici, hein, en fait, c'est des tons qui sont toujours un peu grisâtres. Mais bon, pourquoi pas? Malgré tout, c'est pas toujours très inspiré, et on sent que, contrairement peut-être à l'auteur, la dessinatrice ne doit pas connaître tous les jeux, et il y a certains jeux où clairement, bon, elle a recopié des captures d'écran et puis c'était tout quoi. Je pense par exemple, j'ai pris un exemple, hein, Beneath the Six Sky. Alors, si on va voir Beneath the Six Sky, le jeu que j'avais fait, hein, en point-and-click que j'avais fait sur ma chaîne, vous allez voir, en fait, alors ça c'est Bat. Voilà. Donc, Beneath the Six Sky, là, hop, il s'est figé, voilà. Vous avez le plan, Union City, hein, donc qui en fait, l'Australie, donc c'est notre ciné, la bête ciné, et puis vous avez bon, un plan qui sort, on ne sait pas trop d'où. Puis vous avez deux illustrations ici et là, pardon, et l'illustration de là, qui en fait sont deux presque captures d'écran. Elle a reproduit les écrans du jeu en enlevant les personnages. Parce que là, soit il y a votre héros, soit il y a le policier ou quoi que ce soit. Là, c'est pareil. Il y a Link, hein, aussi, là, qui est quand même présent. Mais finalement, ça manque un peu de vie. Rien que là, vous voyez. Voilà. Donc, sur les illustrations, c'est un plus, parce qu'évidemment, ça permet justement de capter un peu l'ambiance. Mais je suis moyennement convaincu, là aussi, par le choix des illustrations. Dans certains cas, c'est sympa. Dans certains cas, ça correspond. Hein. Par exemple, ici, je crois que c'est Yakuza. Hein, vous voyez, hop, voilà, des téléphones publics qui sont extrêmement populaires. Ça, je trouve c'est pas mal. Ça permet de mettre dans l'ambiance. Mais en règle générale, je trouve que c'est plutôt moyen. Donc ça, c'est un petit regret sur les illustrations, même si évidemment, dans l'idée, l'idée est là, mais la réalisation, je la trouve un peu bancale. Voilà. Ça apporte pas tant que ça à la narration. Alors, dernière partie, je disais, c'est le design insights, donc la partie réflexion un petit peu du développeur, puisqu'il a aussi travaillé notamment sur The Sunken City, je crois, donc la version un petit peu game design. C'est intéressant quand il y a des interviews. Après, je trouve que c'est vraiment très superficiel en termes d'analyse. Quand c'est lui qui me présente. Alors, il y a quelques bonnes idées, il y a quelques petits trucs où on se dit, ah bah oui, tiens, ça c'est pas mal, mais souvent c'est, mais ça serait bien de creuser. Alors, sans anticiper vraiment sur ma conclusion, c'est lié aussi au choix, hein, de l'auteur de faire 45 livres dans un livre et pas de consacrer un livre à 45 jeux, pardon, dans un livre et pas de consacrer un livre à un jeu. Parce qu'évidemment, il y aurait énormément à dire. Il y a la volonté d'éclectisme que j'ai souligné, et ça c'est très bien, mais le prix à payer, c'est un petit peu ce saupoudrage des analyses qui fait que ça reste assez superficiel. Mais malgré tout, je ne veux pas trop critiquer quand même, j'ai pris du plaisir à lire, avec quelques petites pointes vraiment très pertinentes et qui disent, ah oui, là tiens, ça j'avais pas vu, ou ça c'est intéressant, et
donne un éclairage particulier sur tel ou tel jeu. Voilà. Que dire de plus? Je vérifie un petit peu mes notes. Oui, une dernière chose, avant de passer à la conclusion. J'ai trouvé que c'était pas mal aussi d'avoir à la fois des villes réelles et des villes purement imaginaires. D'avoir à la fois donc des villes qui sont purement des villes de pixels, des villes complètement sorties de l'imagination, et des villes où évidemment il y a un modèle dans le monde réel, même si c'est pas toujours les chapitres étant indépendants les uns des autres, il n'y a pas forcément de mise en relation de tel jeu avec tel autre qui reproduirait la même ville. Alors, je prends deux exemples. Vous avez par exemple le Fallen London et le Assassin's Creed Unity. Tous les deux parlent de Londres. Dans une version, on va dire, historique, la version Assassin's Creed, alors avec des gros guillemets, parce qu'évidemment, il y a plein d'adaptations qui ont été faites. Et puis, la version uchronique de Fallen London, dans laquelle Londres s'est effondrée sous terre et doit vivre. Se réorganiser, se réinventer à partir de là. C'est intéressant, ça aurait été intéressant de comparer les deux, de voir évidemment ce qui est gardé à chaque fois en tant que terrain de jeu, justement, quels sont les monuments, les bâtiments. J'ai fait exprès de montrer donc Assassin's Creed parce que forcément, si vous êtes à Londres, il faut montrer Big Ben. Voilà, c'est un topos, hein. De dire, voilà, on va montrer un monument représentatif d'une ville pour pouvoir identifier la ville de manière automatique. La Statue de la Liberté à New York, la Tour Eiffel à Paris, etc. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on ne garde pas? Qu'est-ce qu'on jette? Est-ce qu'on essaie de coller ou est-ce qu'on essaie de ne pas coller? Et qu'est-ce qu'on aménage? Je pense par exemple à Assassin's Creed, hein, la question des bateaux, alors qui est expliqué d'ailleurs dans le livre, sur lesquels on peut sauter d'un à l'autre pour traverser la Tamise, qui évidemment semble un peu improbable. La navigation sur la Tamise est forcément pas aussi dense que le jeu le requiert pour pouvoir devenir utilisable. Si j'ai pris aussi l'exemple d'Assassin's Creed, c'est justement parce que la bande-annonce insiste beaucoup sur les transports. Vous avez le bateau, vous avez le train, vous avez les fiacres, la course-poursuite au départ. Et donc, on sent que dans le jeu, il y a la question du déplacement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, la vision donnée par le livre, c'est beaucoup en fait une vision statique, une photo. Et là, je trouve que finalement, c'est compliqué aussi de rendre compte de cet aspect-là, aspect mobilité, qui est forcément quasiment toujours inhérent aux jeux vidéo, y compris aux jeux d'aventure, parce qu'un RPG, un jeu d'aventure, on se déplace, donc on va marcher, on va prendre des transports, etc. Je parlais de mercenaries tout à l'heure, hein, alors que c'est pas dans le livre, mais mercenaries, on peut prendre des taxis, je crois qu'il y a un métro, etc. Donc vous allez forcément arpenter et vous déplacer dans cette ville. Et cette question de la mobilité dans la ville, pour le coup, ça serait peut-être mon plus gros regret, l'auteur passe à côté. D'où peut-être l'absence des GTA, parce que les GTA, à la base, c'est des jeux de voiture. C'est des jeux dans lesquels la ville n'est qu'un terrain de jeu pour les jeux de voiture. Alors, vous allez me dire, il y a Need for Speed. Donc, bon, voilà. Malgré tout, je trouve qu'il y a un manque sur ce côté-là, sur les mobilités. Need for Speed et Bus Simulator. Bus Simulator qui a été aussi une très grosse surprise et que je trouve assez intéressant. Mais là aussi, pourtant le jeu s'y prête, Bus Simulator, et en fait il parle essentiellement d'organisation spatiale en montrant les différents quartiers qui sont les différents quartiers de la ville. Je ne sais plus si je vais vous montrer ça tout de suite. Bus Simulator. Où ce qui domine en fait c'est le plan quoi. C'est le plan de la ville. Voilà. Donc vous voyez, hein, c'est du simulateur. Vous avez deux vues et en fait le plan. Ah, non, ça c'est pas mis. Ça c'est pas actualisé. Voilà, du simulateur. Donc si ça est valé, vous avez le plan.
Et il va surtout s'appuyer sur ce plan-là en fait pour définir les différentes zones du jeu, plutôt que sur ce qui fait l'intérêt du jeu lui-même, c'est-à-dire le déplacement. Ok? Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de l'analyse de mon sentiment que j'ai à la fin de la lecture. Justement, on va se quitter en regardant, enfin, se quitter, on va regarder la vidéo du simulateur avant de faire la conclusion et de se quitter, comme d'habitude, avec une petite démo. Alors, je vous mets du simulateur juste pour le plaisir. Hop. Et on se retrouve juste après. Voilà, alors si j'ai choisi Bus Simulator pour conclure, c'est justement parce que ça illustre tout à fait ce qui, je trouve, manque un petit peu dans le livre, c'est-à-dire l'aspect vivant des villes. On voit clairement dans la bande-annonce que le jeu met en avant à la fois la variété des décors, certes, on a vraiment cette envie de se balader, mais on a aussi le trafic, on a les piétons, on a les animaux. Ce qui est quasiment un grand absent hein, du livre, alors que évidemment la présence animale dans tout un tas de jeux est là. Et donc ils font partie des habitants de la ville, si vous voulez. Et là, ce qui correspond aussi à une réalité qui peut être une réalité historique. Hein. Il y a des animaux dans les villes, au moins jusqu'au 19e siècle, sans parler des animaux domestiques aujourd'hui. Et donc il y a ce côté vivant aussi qu'on voit avec le cycle jour-nuit, avec la météo. Qui manque un petit peu dans le livre. C'est-à-dire que ça pourrait être intéressant de prendre aussi en considération le climat, de prendre en considération des choses comme ça. À nouveau parce que ça teinte les jeux d'une certaine atmosphère et que on va pas jouer à Batman Arkham City qui se passe uniquement la nuit, comme on joue à Assassin's Creed où au contraire tout est fait pour vous faire admirer les couchers de soleil et flâner dans les rues de Londres ou sur les toits de Londres. Donc, pourtant, voilà, il y a les grappins, comme dans Batman, hein. Mais clairement, on ne visite pas la ville de la même façon et on n'expérimente pas la ville de la même façon. Et donc, voilà, Bus Simulator, c'est un petit peu l'exemple d'approche de la ville qui pourrait être un peu plus. Fine, je dirais, et qui manque un petit peu d'ennui.
Voilà. Alors, ceci étant dit, bah, on va conclure. Et même si j'étais très critique, je dois dire que je suis assez content de mon achat. Je ne regrette pas. Alors, le prix d'achat, je ne vais pas parler, c'est entre 30 et 35 euros. Neuf, si vous trouvez d'occasion, n'hésitez pas. Et la lecture, franchement, est passionnante et intéressante. Sinon, je n'aurais pas pris le temps de faire cette vidéo. Déjà, parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres sur le sujet, donc l'ouvrage a déjà le mérite d'exister et de proposer, du coup, une approche originale du jeu vidéo. Enfin, d'habitude, on parle de jeu vidéo uniquement d'un point de vue technique, d'un point de vue de la narration, hein, beaucoup. Mais là, voilà, c'est un point de vue qu'on trouve assez peu, une approche qu'on trouve assez peu, donc moi, je trouvais que c'était pas mal. De plus, j'insiste vraiment, le large panel de jeux et des villes qui sont présentées m'a vraiment plu et m'a permis à la fois de redécouvrir des jeux voilà, comme Bat, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais également de découvrir tout simplement des jeux que je ne connaissais pas du tout. Comme Fallen London, hein, dont j'ai brièvement parlé tout à l'heure. C'est donc une très bonne entrée en matière pour les curieux. Clairement, cet ouvrage n'est pas destiné à des gens qui vont faire des études universitaires. Par contre, si vous êtes un peu curieux, si vous voulez voir les jeux vidéo autrement, c'est une très bonne lecture. Donc, le format court, 3 ou 4 pages par ville, justement, manque d'approfondissement. Et les analyses réservent le livre à la découverte et non pas pour les experts. Ils sont très insuffisants pour quelqu'un qui voudrait plonger en détail dans les rapports qui peuvent venir la ville réelle, les villes de pixels et nos représentations. Mais par contre, c'est un très bon compagnon pour fureter, visiter, se balader dans ces univers. Et c'est parfois une très bonne approche, une très bonne première approche pour se dire « Ah bah tiens, j'irai bien visiter là-bas. » Donc au final, bah, je le conseille. Je répète, c'est une lecture plutôt agréable et une lecture intéressante, à condition de se dire que effectivement vous allez plutôt faire fonctionner votre curiosité et le plaisir de la découverte, plutôt que d'avoir une analyse de 200 pages sur, je sais pas, la ville de Majora's Mask, par exemple. Voilà. Bah écoutez, je répète, c'était un format un petit peu nouveau, donc j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, évidemment, et à mettre des commentaires pour que ça me motive aussi à en faire d'autres. Je vous dis, j'ai une bibliothèque assez conséquente de livres qui parlent de jeux vidéo, donc ça pourrait être une bonne occasion si vous voulez aussi que je présente tel ou tel livre, quelques conseils d'achat par exemple. Je vais vous quitter en vous présentant une petite démo comme d'habitude, et j'ai pris une démo évidemment en rapport avec la ville, une démo qui s'appelle City Grid. Donc je vous laisse avec la démo de la fin, et je vous dis à jeudi, pour la 8e, et peut-être la dernière, parce que là je pense que j'arrive de la fin, la 8e partie de Atlantis. Petite remarque aussi, je ne l'ai pas noté dans l'emploi du temps, mais je vais mettre l'info ce soir. Dimanche, je serai au Nautilus avec Damien Bloom, qui nous fait le plaisir de venir dans le Pas-de-Calais ce week-end. Il sera donc le samedi à Berlin pour jouer. Damien Bloom, c'est le guitariste qui reprend des musiques de jeux vidéo à la guitare. Et donc il sera samedi matin à Berlin, et puis il sera dimanche, donc je serai avec lui dimanche au Nautilus à Béthune pour un concert. Donc, qui sera accompagné d'une sélection de jeux jouables qui correspondent à une partie des musiques qu'il reprend pendant son spectacle. Donc, si vous ne savez pas quoi faire dimanche après-midi, n'hésitez pas, rendez-vous au Nautilus pour voir Damien Bloom en concert. Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est franchement chouette, ça vaut le coup, ça vaut le déplacement. Et si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à revenir, et c'est gratuit, donc vous allez passer un bon moment. Voilà. Donc je vous laisse avec City Grid et je vous dis à jeudi. Bonne soirée et à bientôt. Ciao ciao.
Thank you.